Je veux mon ASSR 1 de 5e et avoir mon BSR sans problème. Je veux pour passer le permis plus tard, l'ASSR 2 qui est obligatoire. En skateboard, en roller ou bien à pied, prudence, même si t'as la priorité. J'ai compris, je suis une personne à droite. Pour traverser, je regarde à gauche, puis à droite. J'attends d'avoir le feu vert des piétons, je prends le passage protégé, je fais attention. À moins de 50 mètres, c'est obligatoire. Je suis prudent, je marche sur les trottoirs. Sinon, je reste à gauche, sur le bas-côté. Seuls les cortèges sont sur le bord droit de la chaussée. Je mettrai dans la nuit ou dans le brouillard, bande réfléchissante et lumineux brassard. Sur ton vélo, ne joue pas les rebelles, évitons les accidents corporels. À l'avant, arrière, je suis éclairé, le soir, ou faute de visibilité. Je possède une sonnette, des freins, des catadioptres, des pneus que j'entretiens. J'ai en équipement complémentaire, casque, rétroviseur, vêtements clairs. Les pistes cyclables me sont réservées, et partout, je tends le bras pour tourner. Je peux même rouler à deux de front si, à l'arrière, aucun véhicule ne me suit. Maintenant que t'as un cyclomoteur, inutile de jouer les petites terreurs. J'ai au moins 14 ans, je suis assuré, j'ai le BSR, je suis immatriculé. Sur mon beau scooter jamais débridé, je peux emmener un seul passager qui aura comme moi un casque attaché à la bonne taille et homologué. Pour fuir l'amende, l'immobilisation, pas d'autoroute, de portable ou de front. Je conduis et bichonne mon scooter sans dépasser les 45 à l'heure. Tu prends le car, fais gaffe, c'est en descendant ou en montant qu'ont lieu les accidents. J'attends le car en retrait de la chaussée, je suis pas fébrile, j'évite de bousculer. Avant de monter, je laisse descendre les gens, je m'assois, je mets ma ceinture sur le champ. Mes affaires, sous le siège ou dans les filets, laisse-les aller libre pendant le trajet. Je suis très respectueux du conducteur, je ne fais pas partie des chahuteurs. J'attends le départ du car pour traverser la chaussée en toute visibilité. Ne crois pas qu'en auto, on ne risque rien, surveille donc le chauffeur, et tiens-toi bien. L'airbag et l'ABS de la voiture ne me dispensent pas de mettre la ceinture. C'est du côté trottoir que je descends, sinon je regarde bien, évidemment. Je sais que la distance de sécurité sur autoroute, c'est de bandes blanches tracées. Le maximum pour autoroute, route, ville, c'est 130, 90, 50 piles. Mais les chiffres de ces vitesses sont réduits pour les intempéries et les jeunes permis. Même si je sais que tu as un cerveau, j'ai l'impression qu'il est tout ramollo. Double par la gauche, attache tes bagages et ralentis au lieu de jouer les sages. Pour t'arrêter à la bonne distance, vérifie tes pneus et leur adhérence. Prends en compte pour éviter un carnage, temps de réaction, distance de freinage. Alcool, médicaments et stupéfiants te paralyseront très gentiment. Tu dois porter assistance aux blessés, les protéger, alerter, assister. Pigé ? Normalement, les yeux, c'est fait pour voir. Chez les ados, ça semble un accessoire. Apprends tous les panneaux, comme les carrés, rectangles ou flèches servant à indiquer. Les losanges te donnent la priorité. Les octogones t'invitent à tout stopper. Les panneaux ronds bleus, c'est l'obligation. Les ronds à bord rouge, c'est l'interdiction. Si au feu rouge ou orange, je stoppe, au feu clignotant ou vert, je galope. Les panneaux sous le feu remplacent un agent ou la priorité à droite au croisement. J'ai l'impression que t'as bien bouquiné. Ça ne m'empêchera pas de te taquiner. Les morts sur les routes, ça ne fait pas rire. Un jeune inconscient n'a pas d'avenir. Au passage à niveau, pas de traversée s'il y a feu rouge et barrière baissée. Je ne franchis jamais une ligne continue, mais une ligne mixte ou discontinue. Ne confondons pas ce qui n'a rien à voir, comme un rond-point et un giratoire. Un stop n'est pas un céder le passage. J'espère que vous comprendrez mon message. Je veux mon ASSR 1 de 5e et avoir mon BSR sans problème. Je veux pour passer le permis plus tard, l'ASSR 2 qui est obligatoire.